Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va tenter le nouveau portail dédié au dernier God Tier, Omega Shenron. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier trois personnes qui ont permis que cette vidéo soit réalisée. Je remercie Baptiste, Frostjo et Marie pour leur donation. Alors, petite parenthèse, Marie fait partie des personnes qui m'ont connu via Twitch et il était possible de me faire des donations via ce réseau. Par contre, voilà, je n'utilise plus vraiment ce compte, même s'il reste actif. Donc, toutes les personnes qui veulent me faire des donations, passez par la page Tipeee. Alors, l'interface est plus simple pour les suivis et puis je suis plus vraiment actif sur Twitch. Désormais, mes prochains lives, je vais les faire sur ma chaîne YouTube. Désormais, comme je l'avais aussi annoncé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, il y aura moins de vidéos invocations. Tant que je n'ai pas trouvé un sponsor ou un partenariat, Tipeee me permet, on va dire, de trouver une solution intermédiaire. Donc ce que je demande à mes abonnés, si vous êtes une petite centaine à faire une donation d'un euro, je vais pouvoir faire 3 multi-invocations. Après, si vous êtes plus, bah tant mieux, je vais pouvoir faire plus de vidéos d'invocations. Le lien de ma page Tipeee se trouve dans la description ou sinon sur le bouton i en haut à droite. Voici les cartes qu'on peut espérer obtenir à travers ce portail. On va commencer par Omega Shenron, le nouveau God Tier puissance. Je reviens pas sur le passif des God Tier. Alors son passif personnel permet de réduire l'attaque de 20% et il augmente la sienne de 60%. Une fois que tu as la Dokkan, la réduction passe à 30% et il augmente son attaque de 80%. Son attaque SP permet de réduire grandement la défense de l'adversaire. Donc c'est une très bonne unité qu'il faut avoir. Hein. Ensuite, bah, le Gogeta, pareil, classique, tout le monde connaît. Pareil pour l'SSJ3 Vegeta, très bon stunner et très bon bloqueur. Le Broly Ozef de chez Ozef, hein, j'ai déjà d'autres unités pour le tournoi. Le Lee Shenron d'Okanab pour 35 médailles, je crois. Passif qui lui permet de réduire la défense de 20% et il augmente son attaque de 60%. Je dirais pas non. Le nouveau SSJ3 Goku Kid, très surprenant, donc il augmente son attaque de 70% quand il affronte jusqu'à 3 adversaires en face. Donc c'est un passif, enfin ça va, c'est un bon passif. Ensuite le SSJ3 Vegeta, pareil, surprenant comme carte. Il augmente son attaque et sa défense de 70% quand les PV sont supérieurs à 30%. Donc je dirais pas non, mais bon, je cherche pas à l'avoir. Le Jean-Michel Crapaud. Très bonne carte, augmente son attaque de 70% plus ki plus 2 quand il affronte un seul adversaire. Donc ça c'est pas mal, hein, pour une team full tech. Le Trunks GT que tout le monde connaît, la panne, les R. Alors oui, bon, parmi les R, il y en a un que je veux absolument, c'est celui-là. Le Dragon Agi qui verrouille l'attaque spéciale pour une team double végétaux, c'est parfait. Et puis le reste c'est de la merde. Hein. Donc, objectif les amis, objectif Omega Shenron, il est où? Il est où? Omega Shenron. J'aimerais bien l'avoir. Ensuite, Gogeta et le SSJ3 Vegeta. Je compte sur vous, mes abonnés top tier, pour mettre un maximum de pouces bleus pour remercier Baptiste, Frostjo et Marie. Bon, allez, c'est parti pour la première multi-invocation. Donc, grâce aux donations des abonnés. Donc, Satan sur la gauche, ça commence assez bien. Grâce aux donations des abonnés et aux derniers Dragonstone qui me restaient, j'ai de quoi faire 2 multi-invocations et 8 invocations unitaires. Et il se transforme, putain, yes! Oh oui! L'argent des abonnés! L'argent qui porte bonheur. Ok, on commence par R, mais c'est pas grave, on a un SSR garanti. Oh punaise. J'avoue que j'aurais un peu le seum si j'avais pas d'invocation. Oh oui. Oh oui. Putain, yes. Yes. Et il leva le doigt direct au bout du troisième invocation. Oh le Gogeta. Oh le Gogeta qui sort de nulle part. Oh, je l'avais pas sur ce compte, je l'avais sur mon précédent compte. Et enfin, que j'ai perdu. Et j'ai jamais eu. Enfin, depuis. Et puis voilà, ça me permet de renforcer ma team puissance. Est-ce qu'on peut espérer un deuxième SSR avec l'argent des abonnés? Ouais. C'est la dernière? Ah non. Oh, oh oui! Oh, oh oui! Oh oui! Oh oui! Le Trunks GT que je n'avais pas. Très bon nuqueur. Oh putain. Ça commence super bien, hein, la puissance des abonnés là. Ah, je vous dédicace les amis là. Baptiste, Frostjo et Marie. Ça c'est pour vous, ça c'est grâce à vous. Oh, j'ai le cœur qui bat là. Punaise. Oh, c'est le feu là, Gogeta les amis. Punaise, je l'avais pas. Bah, je vais pouvoir farmer ces médailles au calme. Et puis le Trunks GT. Punaise, c'est un très très bonne unité qui donne des liens, qui donne du ki, qui donne pas mal de choses. Et en plus c'est un petit knucker bien sympathique. Il a le lien GT qui va être utile pour l'event Omega Shenron. Ah oh, punaise. Yes. Bon allez, on enchaîne direct avec la deuxième multi invocation. On va surfer sur la luck direct là. La luck est là. Donc on va pas la rater. Ouh, arc-en-ciel.
Voilà, c'est chaud là, les amis. Ah, je le sens bien là. Là, je le sens bien. Portail, le taux de drop est à 7,5%. Transformation? Non. On peut pas tout avoir dans la vie. Taux de drop 7,5, c'est un peu mieux que d'habitude. Ça tourne autour de 7% en général, enfin moyenne. Oh non! Oh oui, non, non! Je reconnais, j'ai déjà. Non! Non! Bon, c'est pas grave, c'est un doublon. C'est un doublon qui sera peut-être utile quand ils vont faire la mise à jour. Ah, j'aurais aimé avoir Omega Shenron quand même. Bon, ça fait après beaucoup de poussière là. Ça tombe bien, j'en avais plus. Enfin, de poussière, de points chez Babin. Est-ce qu'on va avoir un deuxième SSR comme sur la première multi-invocation avec l'argent des abonnés? Oula, c'est quoi ce doublon? Bon, c'est pas grave, c'est une Bulma Air, c'est une très très bonne carte. Ça s'arrête là? Ah! Bon, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti pour les invocations unitaires. Donc, il me reste 40 Dragonstone. De quoi faire 8 invocations unitaires. J'espère avoir l'Omega Shenron. Ce serait vraiment pas mal. Petite transformation. Continuer sur la luck. Non, pas de transformation. D'habitude, je suis pas très invocation unitaire parce que je veux pas vraiment de gros champs. Oh! Oh, mais sans crier guerre, punaise! Yes! Oh, je le voulais sur ce compte! Mais il y a même pas le détecteur! Mais il est sur le détecteur, mais il n'y a pas l'écran rouge! Truc de ouf! Je le voulais sur ce compte, je l'avais pas! Oh, très très bon stunner, très très bon bloqueur. Donc ça me fait deux bloqueurs sur ce compte. Oh, c'est le feu, les amis, c'est le feu! L'argent des abonnés, l'argent qui porte bonheur! Oh punaise, alors là, c'est le feu là. Là, je sens, Omega Shenron, je le sens là. Là, je le sens. 3, 4, 4 capsules. Ah, j'ai là, je la vois qui est déchirée là, j'ai trop hurlé. Je suis désolé pour le son. Ah, c'est le feu, les amis, transformation, transformation. Oh, même s'il se transforme pas, il y a moyen qu'il me lâche un SSR là encore. Oh, mais non! Mais c'est pas vrai! Oh! Mais non! Mais non! Mais non! Le nouveau SSJ3 Goku Kid! Pff, je l'avais pas! Yes! Oh, ça va renforcer ma team AJ. Même si je voulais pas forcément, parce que j'ai déjà une très bonne. J'ai une bonne team AJ. Il me faudrait une team puissance. Ah, il y a des bons liens quand même. Enfin, il y a des liens. Ki plus 3, d'accord. Ouais, qui plus 3, il a le GT donc qui plus 2. Punaise! Oh, ça me fait combien de SSR depuis tout à l'heure? Ça me fait 4 SSR. Ah non, bon, je reviens. C'est le feu, les amis, là, c'est le feu. Ouf. Ah là, j'espère que ça va continuer sur cette voie là, une pluie de capsules. Oula, ça sent le bye bye. Oh, ça sent le bye bye! 3 SSR d'affilée. Ça sent le bye bye. Ah non, je reconnais. Oh, ça pue ça! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas trop forcer. Allez, plus que 5 invocations. Ah là, je suis un peu tremblotant là. Je sens. Oh, cette luck là, ça fait longtemps que j'en ai pas une aussi palpable, tu vois. Je le sens, l'Omega Shenron. Je le sens, il va arriver là. Allez, transforme-toi. C'est pas grave. Bon, c'est mieux que quand il se transforme comme ça, ça me rassure direct. Omega, Omega. Oh! Oh! Non, c'est un doublon, non. Mais non, le troll. Double, enfin deux fois deux doublons. Putain, ça me fait bugger. Mais non. Bon, je suis content, mais en même temps, il prend la place d'Omega Shenron, tu vois. Là, je crois que le jeu a bugué là. Bon, bah je redémarre et puis je reviens. Bon, allez, plus que 4 invocations unitaires. Alors, j'ai dû redémarrer mon téléphone. J'espère que la luck est pas partie entre temps là. Ah non, ça c'est pas un bye bye parce que ça tend sur la droite, plus bye bye c'est pas possible en fait. Mais peut-être, quoique. Oh oui! Oh oui, je le voulais! Oh oui! Oh punaise, yes! Ah, je suis content d'avoir ce R, mais enfin comme je l'ai dit, c'est la deuxième unité qui verrouille l'attaque spéciale pour le type AJ. Et en plus, il a un lien qui donne Ki plus 2, donc il a vitesse époustouflante et GT, donc Ki plus 2 encore. Oh, ma team AJ là! Ah, c'est le feu là! Ah, c'est le feu, je suis content. Hyper content là de ces différents drops. Allez, plus que 3. C'est possible, là, je crois. Omega Shenron, Omega Shenron. Allez, pour vraiment parfaire ma team puissance là. Gogeta, SSJ3, Vegeta. Bye bye. Ah, Shaozu, ça faisait longtemps. Pff, plus que 2, putain.
Ah oh, putain, si je l'ai là, Omega Shenron, c'est... Oh non. Plus que 10 Dragonstone, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je le veux, ce Omega Shenron. C'est pas un God tier que je voulais absolument, mais c'est juste pour la collection. Non, ça m'étonnerait d'un bye-bye. Là, faut pas abuser, une seule capsule... Non. Ah là là. La chichi qui ne s'est jamais fait embrasser par Goku. Hein, les vrais savent. Dernière invocation. Omega, si j'ai Omega Shenron, putain. Si j'ai Omega Shenron, je sais pas ce que je fais. Je fais, je sais pas, je fais un live de 24 heures. Je fais un live de 24 heures avec mes abonnés. Ah, pas de transformation. Allez, je regarde pas, je regarde pas. Omega Shenron, allez, Omega Shenron. Ah non. Pff, tant pis. Même si je n'ai pas obtenu Omega Shenron, Gogeta plus le SCJ3 Vegeta vont renforcer ma team puissance, qui n'est pas forcément très très ouf sur ce compte. Et puis le Trunks GT, je ne l'avais pas. Et le SSJ3 Goku Kid Agi vont renforcer ma team Agi, qui était déjà pas trop dégueulasse. Mais voilà, ils vont m'aider pour l'event GT. Merci encore à Baptiste, Frost Joe et à Marie pour ces invocations. Grâce à vous, j'ai de nouvelles cartes bien OP dans ma collection. Et toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as obtenu de bien à travers ce portail. Pour les personnes qui ont obtenu Omega Shenron, dites-moi en commentaire également quel était votre rang lorsque vous l'avez obtenu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos invocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite.